Hello à toutes et à tous, c'est Benji, on se retrouve les amis aujourd'hui pour l'épisode 2 du Let's Play Les Sims 3 Nouvelle Génération saison 2. Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, j'ai la patate, la forme, comme d'habitude. Merci, les amis, énormément pour l'accueil de l'épisode précédent. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, les amis, si ce n'est pas déjà fait, je vous incite d'ores et déjà à cliquer, bien évidemment, ici pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre. On se calme, on se détend, Jacqueline, on respire. Pour suivre, bien évidemment, la suite des aventures de Benji. Alors, à l'épisode précédent, mesdames et messieurs, nous avons vu, comment dire, tous les principaux, entre guillemets, nouveautés, donc, de ce disque additionnel, les Sims 3 Ambition. On continue aujourd'hui sur ce disque additionnel, les Sims 3 Ambition, mais on va changer un petit peu de Sims. Nous allons aller avec madame qui s'appelle, je ne sais plus, ah oui, Keola. Keola. Avec madame Keola. Vous m'avez dit, les amis, oh là là, Benji, tu y fais lustreuse, je sais pas trop quelle connerie là. Benji, fais-la plutôt travailler. À la fin d'éditionner, fais-la, Benji, plutôt travailler avec les add-ons, les Sims 3 Ambition. Et sur ce, les amis, eh bien, vous avez entièrement raison. On peut exactement gérer deux Sims en même temps lors d'une seule et même journée de travail. Donc voilà, c'est une nouveauté qui est explosive. Donc tout simplement, mesdames et messieurs, parmi l'embarras du choix de tous les métiers... Que l'embarras du choix, c'est vite dit, mais parmi tous les métiers que nous avons possible, donc lui il part au travail tout seul, c'est cool. Et parmi tous les métiers que nous avons, on va essayer de la faire styliste. Alors, le métier styliste est probablement, comme vous m'avez demandé, un des métiers les moins bien organisés, puisqu'en fait il consiste juste à relooker les Sims. Donc on est toute la journée au salon, d'ailleurs ça entre guillemets, et il y a les Sims qui se ramènent, coucou c'est moi, faites-moi un nouveau relooking, donnez-moi ma nouvelle tenue, faites-moi resplendir de beauté, voilà. En gros, si on doit résumer à ça. Alors, j'attendrai le nouveau petit journal pour... Ah bah il est là. Donc hop, donc on pourrait aussi s'inscrire en travailleur indépendant. On verra ça plus tard. On va y arriver, ne vous inquiétez pas les amis, c'est le démarrage de l'épisode. Faut le temps que tout se mette en place. Alors lui, quoi qu'il en soit, il est parti à la caserne. Le petit coco. Prêt à répondre à tout moment d'une urgence, donc on sera alerté hein, dès qu'il y aura une urgence. Alerte rouge warning. Voilà. Et presque. Alors, pompier, non. Magicienne, non. Chasseuse de fantômes, plus tard. Constructeur de garde d'enfants. C'est vrai. Alors, je ne sais pas. Non, c'est pas dans ce disque additionnel là. C'est dans le disque additionnel les Sims 3 générations. Donc, on verra ça plus tard. L'ajout de ce métier là. Pompier, magicienne. Ah, y a pas. Mince. Hein.
Y a pas. Bon bah écoute, on va la mettre chasseuse de fantômes. En attendant, je ne sais pas pourquoi il n'y est pas. C'est un peu étrange. Bon, nous voilà. On a la maintenance un petit peu de tout le monde à faire. Elle travaille quand? Dans 8 heures, ok. Donc pour aujourd'hui, c'est fini. On va travailler avec lui. Nice. Alors, chasseuse de fantômes, vous verrez, mais en fait, c'est à peu près équivalent à pompier. Vous vous rendez chez les gens. D'accord. Et bah tout simplement la maison est envahie de fantômes. Je pense que sur ce point là bah je vous apprends strictement rien. Mais la maison est totalement envahie de fantômes. Et bah tout simplement c'est à vous avec une machine inspirée de Ghostbusters tout simplement en fait de récupérer les fantômes et puis de leur dire bon vous allez arrêter d'hanter cette maison. Voilà. On va pas spécialement non plus dans des manoirs etc. Ce sont des maisons qui sont tout à fait normales. Voilà. Alors on va faire un petit peu, alors j'ai vu bricolage, il y avait bricolage, mais je ne sais pas comment on fait pour augmenter le bricolage. Je sais que, ah oui on peut peut-être vérifier l'évier, je sais pas. Je sais pas du tout comment on fait du bricolage, je crois que c'est quand il y a quelque chose de cassé, ça nous augmente la compétence. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, on va faire un peu de sport. Ah du coup on va faire de l'entraînement sensuel pour le coup, qu'est-ce qu'il a? Et calme, finalement l'anxiété a fait s'inquiéter votre sim pour rien. Ok, tout était bien éteint et aucun désastre ne menaçait de se produire. Mais vérifier les choses aide à calmer l'anxiété. Vérifier les billets. D'accord. En attendant l'urgence, on upgrade notre compétence. Si on veut avoir notre prime, il faut la performance physique. Hein. Donc là, ils sont en train de prendre un petit café, les collègues là. Hein. Nous, on est en train de courir sur un tapis de course hein, et ça se trouve, il y a bientôt. Il y a une urgence. Il y a une urgence, les pequeños. Un incendie. C'est parti, on y va. Ah bah non, on n'y va plus. Ah bah non, on n'y va plus. Alors pourquoi on n'y va plus? Alors normalement, quand on se met en monde, on peut le voir. Pas. Où est l'incendie? Pas. Là. Non, ça c'est le portail. Ah mince, il y a eu l'incendie. Fausse alerte alors. Ouais, fausse alerte. Y a pas d'incendie. Rigolo. C'est tous là ou pas? Ils sont en équipement mais ils restent là. Donc ouais, fausse alerte. Le véhicule de pompier est là. Ok, fausse alerte. Fausse alerte, écoutez. Quoi? Danser ensemble. Mais va te faire! Tu vois pas que je suis en train de faire du sport pour me muscler les tablettes de chocolat? Hein? Pour gagner de l'argent? En étant pompier, bien sûr, les amis. En étant pompier. Bon, ça y est, il est fatigué. Ça travaille vachement dur ici, quand même. Ça travaille vachement dur. On va changer de tenue, tiens. On va se mettre en tenue de carrière. Parce qu'on est quand même au boulot, hein? Et si au boulot on n'a pas la tenue de boulot, ça va pas, hein. Bon. Du coup, je pense qu'il n'y aura pas d'urgence s'il y a eu un petit bug à mon avis. Petit bug. On va se manger une petite crème glacée. Il est 15h, c'est l'heure de la pause sans urgence. Il sait pas laver les mains, le cochon. Va te laver les mains et après tu manges. Vous vous rendez compte les amis, c'est même pas laver les mains. C'est honteux, moi je dis monsieur, c'est honteux. Il faut se laver les mains. Mais vous vous rendez compte. Ah bah il faut rentrer. Et on a eu notre promotion. Ah non. J'ai cru. Oh, j'ai cru. Comment on fait pour rentrer? Je crois qu'on clique là et puis ça. Non, on prend le taxi à chaque fois. Je sais pas. Ah, on a vu. Regardez. Keola a du travail, chasseuse de fantômes disponible à effectuer, invasion d'esprit. Pour commencer ce travail maintenant, cliquez sur le bouton ci-dessous, vous pouvez commencer plus tard en allant sur le plan nananinana. On effectue la méfionne. Donc en fait là, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle une urgence. On peut l'avoir en tant que pompier, mais là pour le coup, elle l'a eu en tant que chasseuse de fantômes. Donc, elle a tout simplement, c'est tout simplement, mesdames et messieurs, revêtue de son habit de fantôme, malgré qu'elle soit pas dans ses horaires de travail. Assis. Ah, 8h, mais oui, à travail de 17h à 3h du mat. J'ai rien dit, autant pour moi.
Du coup, on verra ça aujourd'hui. Eh oui. Donc c'est parti. Va peut-être falloir qu'on s'achète une petite voiture. Parce que bon, le taxi, c'est cool. Dans les Sims, il est gratuit. Mais bon, on habite quand même dans une zone un peu hantée. Il faut quand même qu'on aille un peu un véhicule. Il y a de la distance. Donc c'est parti les amis, direction notre première maison hantée et on la reconnaît grâce à cette musique. Alors, où est-elle? Elle est ici. Bah, on voit les esprits, c'est pas compliqué. Il y a quatre esprits à bannir. On clique dessus et tout simplement on lui demande de le bannir. Ah bah il est parti. Il est là. Je t'ai vu. Et c'est parti, regardez-moi les amis. Digne de Ghostbuster les amis. Digne de Ghostbuster, c'est parti. À la manière d'une peau, elle va aspirer les esprits et les enfermer dans une petite boîte en carton au fin fond des archives. Ok. Il y en a un autre là. Donc ce sont les esprits blancs. Donc les esprits blancs ne sont pas méchants, ils sont pas violents. Mais après, il y a des esprits farceurs, etc. qui se cachent dans les meubles. Il y a aussi, quand on aura un niveau beaucoup plus compliqué, on aura la possibilité, en fait, avec un... Ouais, on va dire ça, entre guillemets, une sorte de scanner, en fait, de scanner la pièce pour faire apparaître les fantômes. Parce qu'ils seront tellement intelligents, c'est qu'ils seront cachés. Donc voilà. Le troisième est ici. Et le quatrième est quelque part... Bah, ici. Il est là. Voilà. Ils seront cachés et on aura besoin, en fait, d'utiliser un... Tout simplement un scanner pour les faire apparaître. Voilà. Un métier plutôt cool. Donc voilà. Alors malheureusement les amis, on n'a pas le temps de faire tous les métiers à fond, etc. Vous comprenez, chers amis, c'est normal. Voilà, donc là on vient d'avoir un type d'esprit qui est vieux et en plus qui vaut 100 simflouz. Et oui, faut pas oublier qu'ils valent de l'argent. Donc on gagne beaucoup d'argent en agissant tout simplement, en les attrapant chez les gens, etc. Et on gagne aussi beaucoup d'argent en... Après en revendant les esprits. Donc on va faire notre journée de travail. On va voir à peu près on va gagner combien de sous. Voilà, on a gagné 140 simflouz. Bon, c'est pas génial. Hop. On a aussi, j'ai vu qu'il y avait deux affiches. Il y a aussi une affaire qui est à l'autre bout de la ville. Donc on reprend notre taxi. Puisqu'on n'a pas de voiture. Voilà. Et c'est parti, direction l'autre bout de la ville pour résoudre cette affaire de fantôme. Il y en a autant d'esprits, et bien maintenant. Ok. Ok, donc il y a 4 esprits. 1. Personne d'autre. Ah. 2. 3. Il nous en manque plus que 1. Où se cache-t-il? Donc vous voyez, les éclairages changent, hein, tout simplement. Ah, peut-être au garage. Il est là! C'est bon, on les a tous eus. Enfin, on les a eus. Alors, je sais pas s'ils peuvent prendre la fuite. Je crois que oui, ils peuvent prendre la fuite. Je suis pas sûr. Là, pour le coup, les amis, je préfère pas valider, je suis pas sûr. Mais je crois qu'ils peuvent prendre la fuite. Ça considère qu'on les a attrapés. Bon, je sais plus. Je crois qu'il y a une... un genre d'histoire comme ça. Donc là, amical, donc plus gentil, c'est un jeune, 17 simflouz, 37 simflouz, pardon. Et le dernier. Voilà. Et donc là, tout simplement, on est au travail. Donc là, voilà, on a fait un perfect, on a répondu à toutes les affaires. On est encore niveau 1, bon, on pourra augmenter parce qu'il faut qu'on travaille les enquêtes. Alors, qu'est-ce que c'est enquêter sur l'activité paranormale? Qu'est-ce que c'est? C'est auprès des Sims? Un voleur? Les amis, c'est le voleur. Je vais pas être mené à cette histoire, moi. Hein. Attendez, est-ce que si par exemple on fait présentation amicale avec lui, qui ma foi est horriblement affreux, est-ce qu'on peut enseigner, renseigner... tirer une somme d'argent. Ah. Oui, on va soutirer une grosse somme puis on va rentrer. On va lui dire, oh, c'est pas facile, hein, mais votre maison, franchement, c'est pas que, mais quand même, hein, si tu peux me donner un peu de sous. Non, il veut pas. On aura demandé. Hein. Vous me connaissez même pas, et vous me demandez des sous.
Bah lui, d'accord, notre mari est parti se coucher. Comment il s'appelle déjà? Jason. Jason est tout de suite parti se coucher. Bon. Quoi qu'il en soit, nous, on reste disponibles, mais notre journée, on va dire, globalement, elle est terminée. C'est bon. On avait donc deux missions à faire dans la nuit. On arrête de travailler dans 3 heures, on avait deux missions à faire dans la nuit. Il peut y en avoir une de dernière minute, mais en gros, dans la majorité, c'est bon. On a terminé notre journée. Ok, allez, on va se prendre le petit pain à la confiture. On rentre du travail. Bon, on habite dans une maison pourrie. Bon, on n'a pas d'argent. On fait du mieux qu'on peut, les amis. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a autour de nous. Hein. On a deux Sims qui travaillent, qui se débrouillent tant bien que mal. La première facture qui ne serait trop tardée à arriver, bon, ça va. On n'a pas un terrain non plus explosif, donc la facture devrait pas nous ruiner. On devrait pouvoir largement la payer. Bon, on va se coucher par la suite. Hop là, voilà. Allez, au dodo. Alors, vous avez vu, elle vient tout simplement de changer de vêtements. Et les vêtements se sont mis automatiquement dans les bacs à linge. Voilà, donc d'où l'intérêt, mesdames et messieurs, justement, de mettre un bac à linge dans chacune des pièces où les Sims sont à peu près susceptibles de changer de tenue. Ça évite tout simplement que les vêtements traînent par terre et après le Sims il doit se trimballer avec son sac poubelle comme si qu'il changeait la poubelle en fait tout simplement pour aller rechercher les vêtements qui ont été laissés par terre tout simplement. Voilà. Le téléphone à 4h du matin, ça se passe comment là? Le didacticiel qui me casse les pieds, merci. Merci beaucoup. Alors tous les esprits qu'on a capturés, bah, évidemment on en a plein. Alors, on va pas les stocker dans la maison, mais on pourrait les stocker, donc voilà, donc ça c'est un esprit vieux de 90 ans, de 90 Simflouz, etc. Et on va mettre un là pour petit souvenir. Bon, celui-là on peut le vendre. Là, pas de belle couleur. Absolument, on peut le vendre là. Oui, oh, il coûte cher, 130 Simflouz. Voilà, parfait. Alors qu'est-ce qui s'est passé, mon coco? Tu as fait. Tu vas faire des gaufres. Pour tout le monde. Comment un rond flotte là, Koala Kiola. Jason est végétarien et il aime donc cuisiner des. Ok. Déjà le boulot. Ah, payez les factures maintenant. Oui, oui. J'avais pas vu qu'on avait reçu les sous. Tout va bien. Tout va bien. Je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, heureusement qu'il est courageux, ça va. Mon dieu, je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose de pas net. Ça va, on a sauvé les pâquerettes. On a sauvé les pâquerettes. Du cam, Monica, du cam. On a sauvé Los Pacretas. Il est l'heure d'aller au travail, en fait. Aussi. Oh mon dieu, les amis, c'est affreux. Mais ça va. On a sauvé les pâquerettes. On va raconter ça à notre collègue. Eh oh, poteau, il y a 2 secondes, il vient tout juste d'y avoir un incendie. Tu te rends compte? C'est fou, hein. Franchement, je suis pas pompier pour rien, quoi. Je gère le feu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le taxi. Décidément, je ne comprends plus, hein. S'il prend le taxi pour toutes les occasions, moi, je ne comprends plus. Bon. Alors, bah, il a faim, déjà. On va commencer par ça, déjà. Commencer par déjeuner, déjà. Que le pauvre, il a vraiment pas le temps, en fait. Il est tout le temps en train de faire quelque chose. Ok, bon. On va voir si elle a peut du coup maintenant changer de métier. Donc vous avez vu, donc il n'y a pas de nouveauté, on va dire, plus que ça au niveau de ce métier-là. Donc voilà en fait. Hein, c'est un métier qui est assez rapide à faire. Comportement étrange suite à ses voyages dans les autres dimensions. Kiola a perdu son équilibre psychologique. Prenez un moment pour prendre en profonde respiration ou trouver un hôpital. Ok, ok, du cam. L'hôpital, hein, pas ça, hein. Hôpital, calme. Maladie temporelle. Vous devez souffrir d'une maladie temporelle pour... Attendez, qu'est-ce que ça va faire, ça, se faire admettre... pour instabilité? Pareil avec Jason, bien sûr. Attendez, les amis, je découvre des choses. Je joue au jeu depuis sa sortie en 2009 et puis je découvre encore des choses. Attendez, elle se fait admettre pour instabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de risquer une dépression nerveuse, Koala Mswa a retrouvé son état normal en faisant soigner son instabilité. Cool! Je savais pas du tout cette fonction, mais écoutez. On va manger au resto.
Bon, tout va mieux. Ok. Épanoui. Évacue son propre. La satisfaction de voir ses rêves se réaliser est fantastique. Voici exaucer un souhait premier. Ok. Alors, on va manger. Parce que oui, il y avait aussi à cette époque-là les restaurants qui étaient mis. Et on pouvait. Manger au restaurant, voilà. Manger ici, seul pour 50 simflouz. Ça coûtait un peu cher. Mais on pouvait. Mais on pouvait. Bon, là, j'ai pris le truc de luxe. On pouvait, on arrive là. Il va commander tout simplement son plat favori. Bon, là, il mange à l'intérieur. Mais des fois, on peut même manger. Ouais, manger à l'extérieur. Vraiment très complet. Oui, on revoyait, ça coûte cher, hein. Oh, puis on a gagné des sous. Plus aux autres. Oh, génial. Bon, on doit rester jusqu'au dessert. Prenons un peu le dessert peu cher. On a bien mangé. Oh! Hey! Pourquoi y'a un bébé? Y'a un bébé par terre, y'a Ted! Ted Jones Brown! Les amis, je ne peux même pas le prendre dans les bras, je ne peux rien faire à part le supprimer. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais qu'il reste par terre. Bon! Alors, on rentre à la maison. On va changer de métier, les amis. On va devenir styliste. En plus, on a les tatouages pour aller avec. Donc, ça ne pose aucun problème. Alors, il est là. Ça, on va le recycler. Et on va trouver une profession. Quelle? Alors, peut-être que c'est considéré comme un travail. Je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Oh, il n'a pas eu d'urgence aujourd'hui. Hein. Il rentre du travail, mais il n'y a pas eu d'urgence. Alors, magicien. Mais y'a pas! Blablabla. MDR. Hop. Ou alors c'est dans. Trouver un travail peut-être? Politique, politique, médecin. Non, y'a pas! Mince alors, c'est très gênant! C'est assez gênant! Magicienne, c'est sûr que non! Pompier, non. Chanteuse, non. Garde d'enfant, non. Bon, on a qu'à la faire concepteur d'architecture. Ça changera peu. Alors, on travaille dans 14 heures. On est payé 262 simflouz par semaine. Ok. Rénovation. Accomplir des missions pour la clientèle. Peinture, améliorer la compétence peinture. Et les évaluations. Faire tout son possible pour satisfaire les clients. Ok. Bah tiens, je vais faire une lessive. On va acheter une étendre à linge. C'est cool ça. Ça coûte des sous l'étendre à linge, le truc là justement. Alors hop, là l'étendre à linge qui est juste là, parfait dans le jardin. Nickel. Ça tout le monde est content. Dans le panier à linge. Voilà, donc elle prend tout. Elle prend tout. Elle le met là-dedans, on attend que ça se fasse. Et on le met sur la corde à linge. Voilà. Et là c'est parti pour sécher, donc ça goutte d'eau, ça goutte d'eau. Je savais pas qu'on avait autant de vêtements que ça. Décidément on a beaucoup de sous. Hop, voilà. Et donc c'est parti, ça va sécher pendant une certaine période. Voilà. Alors, bon, il y a de l'eau par terre. On peut pas essuyer, on est pas d'accord. Ok, donc, elle est devenue styliste. Et je crois bien que c'est le dernier métier à proprement parler. Bon, avec... pas styliste, pardon, conseiller d'architecture. Il reste styliste, mais une fois que c'est fait, styliste, bah c'est... Je vais dire, va aux toilettes. Ah mince, c'est bouché. Ce qui est bête, peu cher, hein. Ah super, ça va lui faire augmenter sa compétence bricolage. C'est ça, quand t'es dessus. Tu manges pas. Ok, bon, mange pas, écoute, qu'est-ce que tu manges tout ici. Tout le monde va faire dodo jusqu'à 6h, c'est cool. Même lui, il est claqué. Acheter une nouvelle machine à laver. Non, non, non. On roule pas sur l'or à ce point. On peut pas non plus se permettre d'acheter une machine à laver tous les 50 secondes. Tu vois bien, on est obligé d'acheter une étendre à linge. Si on achète une étendre à linge, c'est que tout simplement,
on peut pas mettre dans un sèche-linge, ça consomme trop d'électricité. Et voilà notre plat qui a complètement cramé. Mais ça, c'est une autre histoire, hein. Mais par contre, c'était bizarre tout à l'heure, ça s'est vachement enflammé vite. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que ça s'était vraiment enflammé vite par rapport à la normale. Oh, je sais pas. Je trouvais ça plutôt rapide. Donc voilà les amis, en gros, les nouveautés donc, de ce disque additionnel, on refera à peu près un épisode un peu plus tranquille. Il nous reste encore la compétence donc invention, avec donc justement ce métier inventeur. Vous allez voir ça pour travailler, les faire briquer les propres robots, les simbots comme on dit, dans le jargon. On verra. Je pense pas que je pourrais vous le faire, mais sinon je vous montrerai à quoi il ressemble, bien évidemment, pas de problème. Comme d'habitude. Déjà au travail, c'est fou. Ah, Piel, elle a une mission, truc machin. Ok, bah tu manges pas, non? Non. Tu manges pas, chérie, je suis désolé. Il y a une mission. Alors, cette salle de sport a besoin de balles de baseball, de ballons de football, de tapis de course, d'un banc d'entraînement et d'un tapis. Le budget, nanani nanana. Ok. Allez au terrain, c'est parti. Ok, elle en a rien à péter, c'est fou. Parlez au clair, la rénovation. Commencez la rénovation, vas-y. Voilà. Donc on va être mis en mode achat, tout simplement, il va falloir qu'on rajoute tous ces meubles-là, comme ça. Hop là, voilà. Il a pris une chose qui était riche. Ok, cool. Alors, il a besoin d'un tapis de course. Ok. Alors, où c'est qu'on pourrait lui mettre ça? On a déjà un. Voilà, le tapis de course. Un tapis. Alors ça, c'est pas un sol. Mettre futuriste. On met ça là. Un tapis. Un banc. Entraînement. Bon, entraînement. Ça. Rent exercice. Ah, mais si c'est un bon entraînement, ok. Ball de baseball. Ball de baseball. Un ballon de football. Ah bon? Pas ça? Ok. Mettre au client. Nice. Voilà. On vient de faire la rénovation, vous avez vu, c'était fou. Est-ce qu'on va gagner des sous? Est-ce qu'on va gagner plus de sous que la normale? Ok, on appelle le client pour dire eh ma gueule, voilà. Insolite, c'est l'exil. Quoi? Mais attends, elle est juste en train de travailler. Attends, Monica, calme. Tout va bien, tout prend feu, c'est gros bordel. Pour la coupure, oui. Et pour le bruit aussi. Vite, ça crame! Nettoyez les places, ça arrivera sûrement. Oh, non mais purée les amis, on va arriver dans combien de temps à la maison? Il n'y aura plus rien. Les amis, il n'y aura plus rien. Oh, ça va. Faites marcher les assurances! Oh, attendez les amis, là c'est une catastrophe! Mais pourquoi ça a encore cramé? Attends, me dis pas que c'est notre femme! Oh mais si, elle a laissé le plat dans le four quand on est parti! Mais c'est pas possible, faut pas faire cramer le frigo, ça coûte cher! Ça va, le frigo n'a pas cramé. Ouais, il a encore feu! Hein? Monsieur, vous avez donné votre nouvelle rénovation, ajoutez une salle de sport, souhaitez-vous prendre une photo dans vos... Non! On n'a pas gagné beaucoup de sous, hein! Bon, un bonus de 50. Ok, ça va. On a gagné 120. Et ça, ça coûte 400. Oh purée, ça coûte 400. Il manque le travail. Mais attends, ma poule. Manque le travail. T'es pas sérieux? Il y a un incendie à la Casa.
Les amis, il y a un incendie à la maison et l'autre, qu'est-ce qui me sort? Oh, tu manques le travail. Non mais attends, il y a un problème là, mon gars. Nous sommes en désaccord total. Bon, où es-tu, toi, la grosse, là? Elle est là? Bon, là-bas, il y a des trucs de rénovation. C'est cool. J'ai même pas vu ce qu'il fallait, c'est pas grave. On s'en fiche. C'est quoi, ça? Concert du chanteur ou une chanteuse à 19h30. Oh. Mais on verra ça plus tard, parce que ça ne fait pas partie, les amis, du disque additionnel Les Sims 3 Ambition. Et oui, je sais qu'on a envie, je sais qu'on y tient, mais ça ne fait pas partie. Donc non. Alors qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre un fauteuil, deux sièges de salle à manger, un salon, un ordinateur, un bureau, nickel. Un bureau sans chaise? Je pense, oui. Alors, un bureau, c'est parti. Bon, pas ici en tout cas, c'est plus dans une chambre qu'on peut mettre un bureau. Bah écoutez, on a carrément l'espace pour mettre un bureau. Alors, un bureau. C'est ici, on va mettre un bureau avec des livres, ça va plutôt bien dans le décor. Hop là. Ah. Siège de salle à manger, on doit en mettre deux. Bon, on va mettre un truc simpliste ici. Et puis... Là. Ça va aussi. Des fois, il y en a qui les utilisent. Et oui. Un ordinateur. Fiche, c'est pas moi qui paye. Hop, siège de salon. La déco, elle est comment, la déco? Elle est un peu comme ça, la déco d'ici. Hein. Surtout que... Oh, mais non, mais attendez, je vais pas m'embêter. La pipette. Parfait. Et un sofa. Il y a peu de place. Hein? Ah si, je sais. L'astuce! Ça, les amis, c'est de la stratégie. Ça, les amis, c'est de la stratégie, ça. Vous virez celui qu'il y a déjà et vous en mettez un autre. Voilà. On a revu les petits aspects de votre déco. Ah, parce qu'elle a toujours pas mangé depuis ce matin, mais t'attends quoi, le déluge? Une énorme plante mutante est entrée dans les bâtiments et tente de dévorer tout le monde. Elle évite les mettre hors de nuire. Mais what the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, les amis? Attendez! Bon, il a géré tout seul, mais il y a une plante mutante, quoi! Non, plus tard! Attendez, les amis, il y a une plante mutante! Mais c'est quoi cette histoire? Vous tranchez une branche épaisse avec votre hache, comme dans du beurre. Et les gens sont paniqués! Ne vous inquiétez pas! Super pompier Jason est là pour vous servir! J'ai peur aussi! Oh mon dieu, les amis, c'est affreux. Ah, j'espère qu'on va gagner les sous, hein. 3 heures. Hop, on a eu notre prime. Oula. Oh. Alors là. Mon cher Jason. Je sais. Merci, je suis pompier. Je ne fais que mon travail. Merci à vous. Moi. Mouah, bisous princier. Oui, tout va bien, ne vous inquiétez pas les amis, je gère la situation. Bon, retour de la caserne, mais c'est juste histoire de pas perdre un peu plus de sous. Parce qu'en fait, on arrête tout dans une heure. Bien. Nous voilà du coup au rang supérieur de moniteur de consigne en cas d'urgence. Eh, si c'est pas le poste qui a de la gueule. Non, pas ça, pas de côté, juste les manger. Si ça, c'est pas le poste qui a la gueule, je ne sais pas. Bon, par contre, il parle à personne, Jason. Il fait bien son boulot, mais c'est quoi? Ok. Bon, elle est cinglée, à vie sa vie. Ok, bon. Il est bientôt l'heure de rentrer à la casa. Et malheureusement, les amis, de se quitter. Et oui, c'est triste. Donc vous avez vu, mesdames et messieurs, en quoi consiste à travers deux missions le travail de rénovation. Donc plus on va augmenter au final de niveau, plus en fait... Ah voilà, c'est bon, il repart. Plus on va augmenter au final de niveau, plus il y aura de la difficulté, plus il y aura de meubles et plus on gagnera de l'argent. Voilà, c'est à peu près pareil. C'est toujours la même chose, mais en gros, ça reste dans le même principe. Hein. Y a pas plus d'affaires. Là, on a rénové des maisons.
Donc voilà, c'est toujours à peu près la même idée, le même principe. Pompier, c'est plus différent. On peut assister, comment dire, à des incendies. Comme là, vous avez vu, il y a une végétation ou je sais pas trop quoi. Un truc qui s'est très mal passé au magasin là, de nourriture pour faire les courses. Il a fallu qu'on gère cette situation urgente. C'est pourquoi tu me largues à 3 km de la maison. C'est pas grave. Pas grave, on va rien dire, juste par sympathie. Voilà. Et pourquoi t'as pas traversé là, espèce de nouille? Bon, bref. Beaucoup de choses, mesdames et messieurs, à faire encore pour les épisodes qui vont arriver. Il est rentré avant notre femme. Bon, elle a papote. Elle a papote, elle a fini sa journée, mais elle a papote, elle. Elle a papote toute la journée. On va prendre la lessive propre, tiens, hop. On va s'occuper de ça. Et on va se quitter là. Voilà les amis, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un j'aime, de mettre un commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, à vous abonner juste ici en cliquant là les amis, si ce n'est pas déjà fait, pour suivre la suite des folles aventures de Benji. Et les amis, on se retrouve donc hyper méga rapidement pour un de vos épisodes favoris. N'hésitez pas à aller suivre la programmation. Alors après, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Si vous regardez la vidéo en dehors des vacances, des grandes vacances 2016, n'allez pas voir la programmation, il n'y en aura pas, hein, il n'y en aura pas. Allez les amis, à la prochaine, merci d'avoir été là, à la prochaine et ciao, bye bye.